À l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous, derrière nous, des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains, pour découvrir l'inconnu. D'autres, pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. J'y vais doucement. Ryder, exploratrice, équipe de mission du pionnier. L'équipe du pionnier? Ceux qui nous cherchent un foyer. Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible? Une mer chaude, l'été, toute l'année. On pourrait commencer par lui offrir un café, non? Lors de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Ryder, voyons si tout va bien. Regardez. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelés Monde en or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'Arche à atteindre Andromède. La nouvelle galaxie de l'humanité. Ah oui, si seulement c'était si simple. J'espère que non. J'aimerais vivre une vraie aventure avant de m'installer. Tant mieux, parce que justement, je pense que c'est ce qui vous attend. Ah bon? Par ici, maintenant. Le pionnier vous veut tous prêts sur le champ. Il a dit « Parez pour la mission dans une heure ». Vous savez pourquoi? Non, mais j'imagine que c'est là que votre aventure commence. Bon, tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir.
On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi? Sam, tu es en ligne? Oui, docteur Tepero. Bonjour, Ryder. J'espère que vous allez bien. J'ai besoin d'une minute pour prendre mes marques. Quel est le problème avec mon implant? Aucun. C'est une vérification de routine. On s'assure que la connexion fonctionne après la stase. En tant qu'ordinateur de mission de l'équipe, votre bien-être est ma priorité. Si les implants marchent comme prévu, Sam voit ce que vous voyez, en théorie. On ne pourra le vérifier que quand vous serez sur le terrain. À part ça, comment allez-vous? J'ai l'impression d'être un cornet de glace vieux de 600 ans. J'espère qu'on a plein de café. Résultat confirmé. Compte tenu des niveaux d'adénosine dans votre sang, l'implant neuronal fonctionne correctement. Adéno-quoi? Ça veut dire que vous émergez de votre sieste. Aucune raison de vous retenir plus longtemps. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre frère. C'est toujours plus facile quand on voit un visage. Ça me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qui se passe? Le module de stase. Accrochez-vous. Salle des machines, au rapport. Cramponnez-vous à quelque chose. On n'a plus de pesanteur dans la zone de cryo. Ah, attention à la seringue. J'y suis presque. Tenez bon. Ici Cora, à la zone de cryo. Je rétablis la gravité. Tout le monde va bien? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas, les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission, continue à vous préparer. Cora, des riders, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu, allons. On a un problème par ici. C'est Scott Ryder. Il y a un problème? Je ne sais pas. Il faut que je regarde ça. Attendez une seconde, le processeur se synchronise. Ryder! Mon frère va bien? Scott va bien. Ses signes vitaux sont bons, mais le processus de réveil a été interrompu. Quand est-ce qu'il pourra se réveiller? Mieux vaut ne pas se précipiter. Sam? Ma connexion à l'implant de Scott a été interrompue. Son pouls, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Pour limiter les risques, on va le garder pendant un moment en coma artificiel et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Il va s'en tirer. Ça me rassure. Merci, Alexis. Tenez-nous au courant. Je vous attends à la porte, Ryder. On y va quand vous voulez. Comment voulez-vous qu'on procède? Laissez-le sous surveillance permanente dans le... Ça a l'air génial, non? Enfin, jusqu'à ce que la pesanteur vous lâche. J'ai rêvé de ça toute ma vie. J'espère juste que ça sera fidèle à la brochure. Bonjour, je suis Jill Carson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle galaxie. La bonne nouvelle, le plus dur est derrière nous. Nous sommes arrivés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous vous trouvez à bord de l'Arche Hyperion qui transporte les humains. L'Arche Parcero, vaisseau des Galariens, a commencé son voyage en 2185. Il en va de même pour l'Arche Leusinia et l'Arche Natonos, vaisseaux respectifs des Asari et des Turiens, partis cette même année.
Un pionnier a pour mission d'explorer et d'évaluer les nouveaux mondes pour y établir des avant-postes et des colonies. Chaque arche est dirigée par un pionnier servant de porte-parole pour son espèce. Le pionnier actuellement en service sur l'arche Hyperion est Alec Ryder. Le tableau de service indique que vous êtes affecté à l'équipe du pionnier, exploratrice Ryder. Rendez-vous en gare. L'arche Hyperion est arrivée dans le secteur Eleus. La mise à jour des objectifs est actuellement impossible en raison de problèmes techniques. Votre rôle d'exploratrice est d'assister dans l'exploration, la cartographie et l'analyse scientifique des mondes en or visant à valider ces sites. Vous devez dès maintenant vous présenter à la passerelle de commandement. Toujours en stase. Doucement. Ces signes vitaux ont l'air bons. Inspirez profondément. Est-ce que je flottais ? Toujours en sommeil. Quoi donc ? Je me souviens pas d'avoir rêvé ni rien. Je me suis juste endormi dans la boîte. Heureusement qu'il n'y avait personne là-dedans. Équipe technique. Ici la salle de cryo. Un module a été endommagé lors de la rupture de pesanteur. Elle a un scanner. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Je m'en charge. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Je vais essayer de lancer un diagnostic. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif. Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation ? Bien joué, Ryder. On peut aller au tram, maintenant. On bosse à la rustine et au chacapone. C'était moins une. À peine dans Andromède, et c'est déjà le chaos. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr que votre père voit ça du même œil. Allez-y, conduisez-nous à la passerelle. Navigation, au rapport. On dérive ! Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort, on est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position ? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec, vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or, la terre ferme. En espérant qu'elle existe.
Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. C'est le capitaine de ce vaisseau. Le dernier mot lui appartient. Mais il pourrait... Il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot. Oui, chef. On envoie le bout ! Mon Dieu ! C'est ça, notre monde en or. C'est l'Habitat 7, la nouvelle Terre, avec un peu de chance. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. Elle a raison. Ça a l'air assez risqué, vu d'ici. Les scans sont fiables ? C'est une bonne question. Beaucoup de choses ont pu changer en 600 ans. Sam ? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincé. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'il prépare deux navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein ? Cette famille, j'ai l'impression qu'il a déteint sur moi. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours. Où en sont les réparations des capteurs ? On avance à l'aveugle, là.